peu à volonté. Salut tout le monde, c'est Xubé. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode du multi du vendredi. Et on se retrouve sur la bande Mirage de Black Ops 2. C'est ma deuxième partie, donc j'enregistre juste après celle que j'avais fait pour le mercredi. Et vous pouvez voir que c'est une map où on est dans un truc chinois et il y a des trucs qui se passent. Et il y a de la neige. Voilà. La description de la... Ça a l'air d'être un truc de détente, fitness, sport, tout ça, blablabla. Putain. Putain, il est bon celui-là. Il est bon. Cette map est plutôt jolie, faut l'avouer. Enfin, pas au niveau des textures, des formes et tout, mais c'est sympa. Putain. Par contre, je suis une merde, je te vous promets. De toute façon, je vous ai jamais promis un gameplay de fifou. C'est entièrement faux. Oh merde! Oups. C'est pas moi. Oh, fais chier. Et il paraît que la map zombie... Bah, c'est cette map là mais à l'envers. Donc enfin il y a cet endroit là mais à l'envers, j'ai vu dans certaines vidéos. Je suis pas trop regardé de vidéos dessus, hein. J'ai juste regardé un petit peu. Et ah ça con. Confirmé. Oh putain. Et salopard de merde. Putain mais c'est quoi ces mecs? Genre le mec il a même buté comme ça, c'est... Putain c'est chiant. Le mec il a même tué en un coup. Ouais. Donc je suis un peu enrhumé, donc c'est pas... Je peux pas parler et tout. Ça fait un petit peu tard, il y a des gens qui dorment chez moi. Ok, holy volo. C'est juste que j'avais envie d'essayer ça en avant, enfin, avec vous. Et ça me... C'est un truc bête, mais ça me... Changement de chargeur. Ça m'excite plus autant... comme avant, il y avait la nouvelle map de Black Ops qui sortait, j'achetais, je faisais du zombie, j'étais trop fier là. Là je... Je suis ouais, cool. Je suis plus en mode... sympa, des nouvelles maps. Mais je suis plus aussi heureux de... Putain c'est la troisième personne que je tue de la partie. C'est cool. Et c'est dommage ce sauce. Putain mais le mec il gère mais comme une connasse. Est-ce que ça explose ça? Ouais, maintenant vous le savez, ça explose. Putain, mais... il m'énerve! Il tue tout le monde comme ça, là. Pète les burnes. Putain, il fait déjà du 23-5. Enfoiré, on va perdre, là. Évidemment, je suis tombé sur un pro de Call of qui a passé sa vie dessus, déjà. C'est quoi, ces gens? Enfin, je veux dire... Ah, j'ai fait l'erreur de passer ma vie dessus pendant 3 ans. Et je dis, je joue plus pour la détente. Depuis que je joue comme ça, non pas pour la compète, meilleur à tout. Je rage moins, ça se passe mieux et je fais des bonnes parties. Généralement. C'est l'heure de vérité, du nerf. Dommage. Oh non, il était à moi, connard. Je suis à sec. Putain, j'en ai eu un. Super. Trop cool. Et voilà. Donc voilà, ouais, c'est ça. Le message du jour. Faites pas genre, putain, je veux être champion de Call of. Je joue plus pour la détente, la déconne avec vos des potes si vous pouvez, moi je peux pas, je joue toujours tout seul au jeu vidéo. Mais voilà, ça me gêne pas autant. Enfin ça me gêne pas. Donc, franchement,
Jouez cool, jouez bien, et puis c'est tout. Faites pas attention à ce que disent les youtubeurs qui disent « Ouais, surtout utilisez pas cette arme parce que c'est noob et tout. » On s'en fout, sérieux. C'est-à-dire que bientôt, ils vont dire « N'utilisez pas l'arme que vous avez achetée sur ma chambre. » Je vous jure, ça va être ça. Hein. Peut-être « N'utilisez pas l'arme que vous utilisez. Enfin, du map DLC parce que tout le monde utilise, elle est trop chillée et tout. » Alors que vous avez acheté cette arme, sérieusement. Donc utilisez-la, bordel. Pour 15 euros, franchement, cette arme, moi, je vais l'utiliser à don. Enfin, 15 euros. 50 parce que j'ai acheté le Season Pass. Donc moi, je vous laisse, je vous dis bye, salut tout le monde. Enfin, soyez heureux, mangez des frites et tout. Et oh, le Peacekeeper. Comme c'est étonnant. Et moi, je vous dis peace out. Et pendant ce temps-là, mais je vais m'entraîner, voilà, pour vous. Ciao tout le monde!